Hey, salut tout le monde, c'est Axel Epon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur GTA 5 Online pour le nouveau contrat de Madame Cessanta. Donc c'est pas un nouveau, mais pour moi c'est nouveau parce que je continue avec les épisodes en précédent. J'espère en tout cas que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, pouce vers le haut et n'oublie pas aussi de commenter. Et toi qui passe par là, n'oublie pas de t'abonner, c'est gratuit. Allez, passons aux choses sérieuses. Donc pour ce nouveau contrat, c'est le contrat de la banque. Donc ça fait 172 000 $ mis en cagnotte. Donc là, il y en a un nouveau qui vient d'apparaître. Mais pour l'instant, je vais prendre le contrat de la banque. So, you wanna rob a bank? How about six of them bitches? Yeah, that's right. That's how we do. Kenny got a contract. Some dude who got his ass fired from middle management at Fleesa. Now, before you say it, I know. If we take them bills straight out of the vault, they gonna be marked. And we ain't running no laundry service. But we don't have to worry about that. Cause this Fleesa dude got some Armenian dry cleaners gonna take care of all of that shit. We get them to mark bills, they pay us in ice cold liquid cash. So, we gonna need just the right kind of explosives to get us through the vault door and a head start on 5-0. Lucky for you, I got you covered twice. Let's make it happen. Bon, si j'ai bien compris, je pense que les contrats, ça change avec le temps. À partir du moment où on a fini le premier contrat, ça change de premier au deuxième, hein, ou plusieurs. Ça change constamment. C'est bien, franchement, ça motive à faire plusieurs missions, quoi. Donc, je pense que c'est une mission à répéter plusieurs fois pour gagner plus d'argent. Allez, assez papoté. When you hit the bank, you need that big dick energy, right? Lucky for you, I got that taken care of. But y'all can get the explosives, though. I just heard on the police scanner that some dummy stole an armored truck and they trying to blow it open. The police got them surrounded somewhere in Blaine County. Get in the middle of that shit and grab them charges. Location's coming through. Now. Ok, bon, comme vous avez remarqué, je fais toujours une mission préliminaire en solo et après, braquage final, je fais toujours à plusieurs parce que c'est toujours compliqué. Et bon, je suis... Ah, c'est déjà braqué. Voler les chargements thermiques. Ok, donc je dois voler les braqueurs. Ok, ça va pas être compliqué tout ça. Hein. Prenez ça. Voilà. Prenez ça aussi. Bon, il faut que je dégage de là parce que sinon, on va m'embarquer. Ah, il est là, la cargaison. Allez. Ah, ils sont nombreux là. C'est compliqué là. Comment je vais faire? Allez, allez, allez. Est-ce que je peux récupérer comme ça? Ah, ça met les flics, c'est bon. Je peux récupérer depuis ma voiture, donc ça va. Allez, c'est parti. Je me casse. Allez, il faut semer les flics et aussi les braqueurs, d'après ce que je vois. Bon, je vais prendre un hélico. Allez, 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 rapidement. Vas-y, vas-y, vas-y. J'espère que l'hélico, il va pas casser. Allez, dépêche. Dépêche, dépêche. Voilà, c'est parti. Au revoir. L'hélico, il est pas à moi. Hein. C'est un hélicoptère que j'ai vu par hasard. Et du coup, j'ai pris. Allez, je vais prendre plus de hauteur possible. Pour semer les flics.
Et après, bah, je dois aller à la destination qu'il faut, qu'on va m'indiquer. Mais pour l'instant, ça va être chaud. Les flics, ils sont toujours à mettre. Ah, ça commence à clignoter en haut à droite. Les étoiles, ils commencent à clignoter. Donc c'est bon, je commence à m'enfuir tranquillement. Ça prend normalement 10 secondes à peu près, 10-30 secondes avant que ça disparaisse, du moins que je vais croiser un autre hélico de flic, mais là sur le radar je vois rien. Ça tombe plutôt bien. Ah, j'ai bien fait de prendre l'hélico, hein, sinon je vais pas finir encore là. Allez, 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 disparaissez les étoiles. Disparaissez les étoiles, disparaissez. Disparaissez les étoiles. Ah, c'est bon. Livrer le charge thermique à l'atelier auto. Ok, bah c'est bon. Faut y aller là-bas. C'est pas compliqué tout ça. Bah si, c'était compliqué, mais quand même, j'ai moitié de vie, hein. Vous avez vu, ma vie, elle était à moitié. Quand je tire sur les ennemis, j'ai l'impression que je tirais sur du vent, quoi. Sur le policier, sur comment ça s'appelle, sur les braqueurs. Ok, moi je suis sur place, c'est bon. Juste atterrir après, bah, la première mission sera terminée. Je suis tranquille. Ah, c'est bon ça. Mission réussie. Vous avez livré le chargement, le charge thermique. Les charges thermiques. Bon, je vais boire un coup, histoire de remonter un peu de vie. Ah, récompense, préparer le terrain. J'ai une petite récompense de 100 RP. You got them charges for the bank job? Good shit. Good motherfucking shit. This is what I came back out here for. Getting in them vultures got easy as hell. Voilà, les comptes sont bons. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur like, de faire partager. Toi qui n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'appuyer sur la petite cloche. Et n'oublie pas aussi de commenter cette vidéo et de faire partager. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, mes amis. Ciao, ciao!